dans l'éternité, je sais que tu vis, Jésus, ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain, sans t'assurer, entre ses mains, tu tiens ma vie pour ce temps-là. L'éternité, nous savons qu'il vit. Amen. Je sais qu'il vit. Amen, Seigneur. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Je laisse la louange continuer, ou plutôt la guitare. Et je commence donc à entrer dans le vif du sujet, mon frère, ma sœur. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Merci à vous tous et toutes qui êtes présents ce soir. Je me réjouis de nouveau de parler de la parole de Dieu. À chaque fois que le Seigneur anime mon cœur et mon esprit et saisit mon esprit surtout pour que je puisse être poussé par le souffle de l'Esprit de Dieu pour parler de sa parole qui est vivante et vraie, je le fais. Et de cette bouche, mon frère, ma sœur, il faut que ce soit que la vérité qui sorte. De ta bouche, mon frère, ma sœur, il faut que ce soit que la vérité qui sorte. Que tu sois à la maison avec ta famille, que tu sois dans l'église dans laquelle tu vas, que tu sois dans ton travail. Il ne faut jamais que le mensonge prenne place dans ta vie. Est-ce que c'est le cas? Il vécut parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu apporter une lumière indéfectible et parfaite, lumière qui éclaire tout homme et toute femme. Mais ils n'ont pas voulu recevoir cette lumière. Évangile selon Jean, chapitre 1. On s'est opposé à lui. On a essayé de lui tendre des pièges. On l'a souvent éprouvé avec des questions humaines, mais sans succès. Ils ont échoué face au maître, comme l'on échoue face à un maître de la loi, si j'ose évoquer le domaine juridique, en parlant d'un avocat que nous appelons maître. Il fut trahi par un de ceux qui marchaient avec lui, par ses propres amis et ses disciples, à qui il a appris beaucoup d'enseignements. L'un l'a renié trois fois la veille de sa crucifixion, et l'autre l'a vendu aux Romains, toujours la veille de sa crucifixion. Il a été rejeté. Il a été vendu pour des sous, il a été rejeté, humilié, accusé injustement. Pourtant, il n'a pas commis de faute. Il s'est juste permis à un moment donné, dans son chemin, de parler en tête à tête avec une femme mariée, la Samaritaine, devant le puits de Jacob. Cependant, lui, Jésus-Christ, ses disciples ne lui ont rien dit quand ils sont venus l'apercevoir et le remarquer en flagrant délit en train de parler avec une femme, tout seul, tous les deux, dans un endroit là où il n'y avait personne d'autre. Une femme mariée, en plus une femme samaritaine. C'est une femme qui appartient à une ethnie qui est en désaccord avec l'ethnie d'Israël. Ses disciples ne lui ont point posé de questions sur ce sujet. Ils ne lui ont point dit « Pourquoi, qu'est-ce que tu faisais avec cette femme tout seul? Pourquoi tu es là avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches auprès d'elle ?» Mais à moi, Augustin, ah, cela m'a valu d'être sali en public dans l'église en question. Le fait que je marche et discute, le fait que j'ai marché, je utilise le temps passé, le fait que j'ai marché et discuté avec une femme mariée au sein de l'église, le fait de sortir avec elle pour l'exhorter, l'édifier, pour la soutenir dans ses difficultés. Cela m'a valu d'être chassé par cette église en question. Ils l'ont traité ayant un démon sur lui.
en lui disant qu'il chasse les démons par le prince des démons. Ils ont échoué en le clouant à la croix. Certes, ils l'ont cloué, mais ils ont échoué. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient le mettre définitivement à mort et oubliaient le souvenir de son âme, oubliaient le souvenir de sa vie, pour qu'on ne parle plus de lui, de ce qu'il a fait. Ils croyaient qu'en le mettant à mort, qu'en le chassant de leur église, de leur ville, qu'ils n'allaient plus jamais entendre parler de lui. Mais cette mort-là, qu'ils lui ont fait subir, n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il s'est relevé, car le ressuscité vit en lui. Et là, je parle de moi, Augustin. Oui, Christ vit en moi. Et la mort n'a pas eu de pouvoir sur moi. On a essayé de m'enterrer maintes fois. On a essayé de me mettre dans les oubliettes. Mais jamais cette vérité que j'ai portée en moi n'a été étouffée. À un moment donné, elle surgit de nulle part. À un moment donné, elle voit le jour. À un moment donné, la lumière que Christ a posée sur moi se met au devant de la scène. Qui peut l'empêcher? Qui peut obturer cette lumière? Qui peut empêcher que cette lumière pénètre dans les cœurs? Il est venu, son nom était Jean, il vint pour rendre témoignage à la lumière, il n'était pas lui-même la lumière, mais à tous ceux qui crurent par lui, cela leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la puissance du Père. Amen. Et cette mort-là, qu'ils lui ont fait subir, qu'ils m'ont fait subir du fait qu'ils m'ont chassé, meurtri, tué. Je sais que je ne suis pas le seul dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de frères et de sœurs. Et je redis cette phrase. C'est pour cela que je me sens être le patriote de tous les individus opprimés, frères comme sœurs. Amen. Cette mort-là que les différentes églises m'ont fait subir en me chassant au dehors, en me jetant dans un désert, n'a pas eu de pouvoir sur moi, cette mort. Mieux encore, ces églises-là en question, elles auront un retour de manivelle. Car la vérité apparaît déjà et elle ne peut pas être retenue. Le méchant se révèle au jour du Seigneur et parmi les justes. Il ne peut pas tenir debout ce jour-là, car ses œuvres seront connues de tous et il recevra le salaire de ses actions. Continue à faire l'hypocrite, toi qui parles sur le dos de ton prochain. Tu le fais si bien, eh bien continue à le faire. C'est parfait, tu excelles là-dedans. Apocalypse chapitre 1, versets 10 à 13. Puis il ajouta, « Ne tiens pas cachées les paroles prophétiques de ce livre, car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Que celui qui est mauvais continue à mal agir, et que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue à le faire, et que celui qui est saint progresse dans la sainteté, qui est la mise en pratique de la parole de Dieu. Écoute, dit Jésus, je reviens bientôt. J'apporterai avec moi la récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je châtierai celui qui fait le mal, je l'enverrai en enfer, et j'accueillerai dans la salle des noces celui qui aura été à ce moment-là digne de moi, celui qui aura mis en pratique ma parole, celui qui n'aura pas eu peur des hommes et des femmes qui ne peuvent tuer que le corps et sans faire plus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ma sœur, mon frère, ce soir, c'est soit tu as autour de ta taille la ceinture de la vérité, et donc, si tu es dans une assemblée injuste, tu ne pourras pas tenir parmi eux, et donc automatiquement tu sortiras naturellement de cette assemblée, soit tu n'as pas cette ceinture de la vérité, et dans ce cas, si tu es dans une assemblée d'injustes, une assemblée de ceux qui font le mal, une assemblée de ceux qui chassent les envoyés authentiques de Dieu, une assemblée d'hypocrites qui parlent les manigances sur le dos de leur prochain pour le tuer et le chasser, l'assemblée des menteurs, eh bien si tu n'as pas la ceinture de la vérité, tu y resteras dans cette assemblée-là, certainement. Pourquoi ? Parce que
Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Amen ou pas amen? Apocalypse chapitre 1 verset 9. Je suis Jean. Je peux bien m'approprier de ces paroles. Je suis Augustin. Et c'est celle-là, toute mon identité en Christ. Celle de Jean, aussi bien Jean le Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir, mais aussi Jean l'apôtre. Je l'ai déjà dit, l'Élie qui devait venir. C'est toute mon identité. Je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. J'ai été exilé sur l'île de Patmos. Ah, c'est bien, bel et bien une île que celle dans laquelle je suis, puisque loin de toute assemblée, puisque rejeté, abandonné des hommes et des femmes, méprisé de tous, chassé, rejeté, tué, malmené. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de ma fidélité, je continue à lire ce verset, à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Ah oui, quand mon frère, ma sœur, Jésus-Christ met dans ta vie et dans la vie de ses serviteurs authentiques sa pure vérité, eh bien, on finit par vivre ce qu'a vécu l'apôtre Jean. On finit par être extradé dans une île, l'île de Patmos qui s'appelle justement l'île des indésirables, parce que c'est là où que les Romains, les Grecs, mettaient tous les indésirables de la société, tous ceux dont ils veulent, ne veulent plus entendre parler. Autrement dit, ceux qui dérangent. Et je suis un de ceux qui dérangent dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Par quoi je dérange? Par la vérité. Quelle vérité? La vérité que le Seigneur Jésus a mise dans ma vie. Ma sœur, mon frère, moi personnellement, je préfère vivre dans un désert seul avec Dieu, comme Jean le Baptiste, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. J'accepte d'être rejeté par les hommes et par les femmes pour ainsi entièrement plaire à Dieu, pour plaire au Dieu de mes pères, plutôt que d'obéir aux autorités religieuses, aux dénominations, aux religieux des temps présents, et à dévier de l'appel de Dieu dans ma vie et ainsi automatiquement lui déplaire. C'est comme l'apôtre Pierre et les apôtres, dans les Actes des apôtres, disaient aux principaux et aux anciens de la synagogue de Jérusalem, « Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. » Actes des apôtres, justement, chapitre 5, versets 28 à 29, à 39. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 28 à 39. Il leur dit, nous vous avions, c'est les principaux, les anciens, les sacrificateurs, les religieux du temps présent. Ils dirent aux apôtres, nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme. Vous savez très bien, tu sais très bien mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ, tantôt il emploie, quand il parle de lui, il emploie le Fils de Dieu, mais tantôt, il emploie le Fils de l'homme. Je suis Fils de l'homme, n'est-ce pas? Comme tout être humain sur terre. Et c'est là justement la dimension de Christ. Elle a une double dimension. Certes, le Christ, il est unique. Il est le Fils de Dieu par excellence. Mais moi, Augustin, toi aussi, mon frère, ma sœur, moi, Augustin, je suis chrétien. Et chrétien veut dire petit Christ. Et Christ vit en moi, comme le stipule l'apôtre Paul dans une de ses lettres. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 28 à 39. Nous vous avions défendu sévèrement d'enseigner au nom de cet homme. De quel homme? De Jésus-Christ. Mais c'est qui enseignait? C'était les apôtres. Et qu'avez-vous au fait? Et qu'avez-vous fait? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. Eh bien oui, qui c'est qui l'a tué, Jésus? Ce sont eux, ceux qui se sont mis au devant de la scène face aux apôtres. Ils sont manifestés et leur ont dit « Stop, eh oh, ne parlez plus de cet homme-là. Ne parlez plus parce que nous vous avons défendu. Maintenant,
Arrêtez de parler de lui. Arrêtez de parler de lui. Parce que tant que vous parlerez de lui, vous faites en sorte de retomber sur nos têtes les conséquences de sa mort, les conséquences de son rejet, les conséquences du fait qu'il a été chassé, du fait qu'il a été abandonné par tous, du fait qu'il a été meurtri, du fait qu'il a été blessé. Mais c'est pour nos iniquités qu'il a été blessé, n'est-ce pas? C'est ça la dimension de Christ. Ton frère, il est mort pour toi, ma sœur. Ton frère, il est mort pour toi, mon frère. S'il a subi, si moi j'ai subi toutes ces atrocités dans les différentes églises dans lesquelles je suis passé, dans lesquelles le Seigneur Jésus m'a envoyé, glorifie le Seigneur. Parce que si j'ai été mis à mort, c'est afin que toi tu vives. Il fut crucifié pour les pécheurs, afin qu'ils vivent. La lettre de condamnation qui normalement devait retomber sur les méchants, sur les injustes, sur ceux qui commettent des injustices, elle est tombée sur lui, sur loin de l'Éternel, malheureusement. Mais c'est comme ça. La vie chrétienne est ainsi faite. On ne peut rien faire. Si, il y a toujours des choses à faire. Chacun, il a sa part des choses. Vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. Nous vous avons défendu de parler de cet homme. Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem au sujet de cet homme. Pierre et les autres apôtres répondirent. Ah, eh oh, écoutez-nous là. Eh oh, on attire votre attention. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous n'allons pas nous prosterner devant les hommes parce que qu'est-ce qu'un homme pour avoir pouvoir ou autorité sur nous? Qu'est-ce qu'un homme pour avoir, pour être au-dessus de l'appel que Dieu a mis dans ma vie? Il n'est rien. L'être humain ne tient même pas un souffle de vie. Sa vie ne tient même pas sur un fil. C'est vrai ou pas? Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite. Elle l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Jésus-Christ vit en moi. C'est moi qui te parle ce soir, mon frère, ma sœur. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur. Si je te dis que Dieu m'a établi comme chef et sauveur, qu'est-ce que tu as à me dire? Christ vit en moi, je m'approprie de ces versets. C'est ça la dimension de l'évangile de vérité que je porte en moi et que j'ai reçu comme révélation de la part du Seigneur Jésus. Qui me dira le contraire? Qui m'enseignera le contraire de ce que je viens d'avancer comme décryptage de la parole de Dieu? Quel apôtre ou docteur de la loi ou enseignant ou pasteur peut venir se mettre à table et discuter avec moi et me dire le contraire de ce que je viens d'affirmer? Personne, personne ne le pourra. Du moins, si vous essayez, vous ne pourrez pas. Parce que celui qui m'a révélé ces choses-là s'appelle le véritable. Libre à toi maintenant de croire ou ne pas croire. Ça, c'est ton problème. C'est ta part des choses à faire. C'est entre toi et ton Dieu. Moi, je sais en qui j'ai cru. Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël, à ceux qui l'entourent, de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Si Dieu a mis sur moi cette vérité, pourquoi y a-t-il beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui visionnent mes lives et qui ne suivent pas le pas? Quand je te dis, mon frère, ma sœur, que si ton prochain, il a quelque chose contre toi, avant d'aller déposer ton offrande dans ton église, va d'abord vers ton prochain, physiquement, verbalement, te réconcilier avec lui, avec sincérité et bonne foi. Et si tu ne le fais pas, ne fais-tu pas de toi un enfant du diable, un enfant qui ne veut pas mettre en pratique ce que Jésus-Christ a écrit, a dit?
Nous sommes témoins de ces événements, à dire les apôtres. Nous et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui y obéissent. Quels événements? Les événements qui se sont passés, que Jésus-Christ a vécu, du fait qu'il a été mis à mort, crucifié, puis ressuscité. Nous sommes témoins de ces événements. Et oui, il est ressuscité. Et oui, le ressuscité vit en moi. Les membres du conseil devinrent furieux, furax, comme on le dit en français courant, ou plutôt en jargon, puisque furax, à ma connaissance, ne figure pas dans le dictionnaire français. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Alors non seulement ils ont commis le crime de tuer le maître, en plus de ça, par la suite, ils ont voulu continuer à commettre d'autres crimes en tuant les messagers que le maître a envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné, dans une de ses paraboles, le maître ? Ah, Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Il y avait un vigneron, il avait envoyé ses serviteurs pour affermir ses vignes. Mais par la suite, ils ont torturé le premier, ils ont lapidé le deuxième, ils ont mis à mort le troisième. Puis à un moment donné, le maître, il s'est dit, tiens, je vais leur envoyer mon fils, je vais leur envoyer mon propre fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection, celui en qui mon amour dans son intégralité, dans son état entier réside. Je vais voir comment qu'ils vont se comporter à l'égard de mon fils parfait que je leur ai donné. Ah, ça n'a pas échappé. Ils ont fait pareil. Dieu te parle ce soir. Dieu t'a envoyé ses serviteurs. Je parle aussi bien à des chrétiennes, aussi bien à des chrétiens, mais aussi à des églises. Il y a deux dimensions là. Je parle aux chrétiens, aux chrétiennes, mais aussi aux églises. Dieu a envoyé dans ton chemin ses serviteurs authentiques. Tu en as refusé l'enseignement du premier. Tu n'as pas voulu reconnaître le don prophétique ou de connaissance ou les paroles, etc. du deuxième. Du coup, tu l'as rejeté. Puis à un moment donné, dans ton chemin, tu as rencontré quelqu'un d'inhabituel, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un que tu n'as jamais vu auparavant. Mais le comportement que tu as eu à l'égard de ce quelqu'un était exactement le même comportement que le comportement que tu as eu à l'égard de tous les autres serviteurs que le Seigneur t'a envoyés dans ton chemin. Je parle à la fois à l'égard des églises, mais aussi à l'égard des chrétiens, des frères et des sœurs. Tu as tout mis à mort, du début jusqu'à la fin. Comment? En refusant de recevoir cette lumière. Cette lumière que Jésus-Christ a mis dans la vie de ses serviteurs qui t'ont croisé dans ton chemin. Et maintenant, que faire? Les religieux du temps des apôtres, ils devinrent furieux parce que les apôtres ne parlaient que de vérité. Parce que de la bouche des apôtres ne sortaient que des vérités absolues. Et ça, forcément, ça dérange. Et oui, ça dérange. Mais pourquoi le Seigneur t'a fait vivre cela, mon frère, ma sœur? C'est pour briser ton orgueil. Parce que ton cœur n'accepte pas la vérité jusque-là. Parce que tu n'as pas voulu jusque-là être façonné par le divin potier. Parce que jusque-là, tu t'opposes à la véritable doctrine de Jésus-Christ. Parce que jusque-là, tu n'as travaillé que dans la cachette. Tu n'as parlé qu'avec tes frères et tes sœurs en cachette à l'égard de celui-là, de ce qu'il a fait. Moi, quand je te parle, je suis direct, je suis franc, je suis naturel, je suis entier, je porte
une ceinture de vérité royale qui est en or. Ah oui, et je suis comme ça, et je le serai toujours, parce qu'il faut que la vérité apparaisse. Parce que si le Seigneur veut faire apparaître la vérité du mensonge qu'il y a dans ton cœur, bien sûr qu'il ne va pas le faire en te caressant le bras et les poils. Ah non, il va le faire de façon à ce que ça te fasse mal. Et ça va te faire mal si on fait apparaître la vérité aux yeux de tous. C'est normal. Si je parle d'une église qui a taché ma tunique, bien sûr que ça va la déranger, cette église-là. Bien sûr que ça va déranger le cercle des anciens. Bien sûr que oui. Mais pourquoi jusque-là j'ai évoqué maintes fois cette histoire dans mes vidéos? Parce qu'il faut que la lumière soit faite. Parce que je le fais afin que ceux qui ont commis ces fautes graves puissent se repentir, changer de comportement. Et à ce jour, je le redis, personne n'est jamais revenu vers moi. Cela fait plus de 2 ans pour me demander pardon. Pour juste, Augustin, nous t'avons chassé de notre assemblée. Nous te demandons le pardon. Ah non, ça, jamais. Le religieux, aussi bien de l'époque de Jésus que du temps présent, jamais il ne descendra de son estrade pour te demander le pardon, jamais de la vie. Bien au contraire, ils ont fait des atrocités à mon égard que je n'ose même pas raconter. Enfin bref. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais je rappelle mon sujet. Est-ce que tu portes la ceinture de la vérité en toi, mon frère, ma sœur? C'est très important que de ta bouche sorte que la vérité. C'est très important, surtout quand tu vois des choses qui fonctionnent mal dans l'église dans laquelle tu vas, dans l'assemblée dans laquelle tu es, et que tu ne dénonces pas. Quand il faut tirer avec l'épée de la parole sur le cœur de quelqu'un, il faut le faire. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas rond, même dans la vie d'un responsable, même dans la vie d'un ancien qui est chevronné, si tu ne le dis pas, si tu ne mets pas à la lumière ce que Dieu t'a montré, si Dieu t'a ouvert les yeux et que tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es complice avec celui-là qui a fait cette action-là que toi tu as vu et que tu ne t'es pas engagé pour mettre la lumière dessus, sur cette affaire. Ça veut dire que tu es un enfant du diable, un enfant des ténèbres. C'est cela que cela veut dire. Maintenant, tu vas me dire, oh Augustin, j'ai peur, attention, eh oh, n'oublie pas, tu as affaire à quelqu'un qui est méchant, qui est... Je vais te donner mes arguments par la parole de Dieu, par des paroles que Jésus-Christ même a prononcées. C'est là où il a dit, et je vais le citer un peu plus haut, un peu plus tard. C'est là où il a dit, ils vont t'amener en jugement quand tu dis la vérité, mais n'aie pas peur d'eux, parce que ce que tu auras à dire, c'est pas toi qui le diras, c'est l'esprit que j'ai fait habiter en toi qui prononcera les paroles que tu devras dire. N'aie pas peur de celui qui tue le corps et qui ne peut rien faire de plus. Aie peur plutôt de celui qui peut faire tuer et le corps et l'âme et les amener dans le feu de la géhenne. C'est de celui-là qu'il faut avoir peur. Pas des êtres humains, pas de l'homme, pas de la femme. Même de celui-là qui est macho ou de celui-là qui est hyper spirituel dans l'église dans laquelle tu es. Qui est-il pour que tu aies peur de lui? Si tu as peur, mon frère, ma sœur, eh bien c'est que tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Je rappelle mon sujet. Est-ce que tu portes la ceinture de la vérité en toi? C'est très important. L'apôtre Paul, il a décrit toutes les armes que le chrétien doit avoir en lui. Et parmi ces armes-là, c'est une arme. Il a cité la ceinture de la vérité. Parce qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul, il était en prison. Il a vu en face de lui, derrière les barreaux, un soldat romain bien équipé. Et là, l'Esprit de l'Éternel, il a saisi son esprit, l'esprit de Paul. Il a dit, remarque, regarde cet homme, regarde le soldat romain, regarde qu'est-ce qu'il porte. Il porte un casque, il porte une épée, il porte une ceinture. Et l'Esprit Saint a commencé à révéler à l'apôtre Paul toutes les armes du chrétien que l'apôtre Paul a retranscrit dans sa lettre que nous lisons de nos jours, 2000 ans après. Je
continue ma lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. « Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Il dit à l'assemblée, « Hey, gens d'Israël, hey, responsables, hey, vous les anciens, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Teudas, qui prétendait être un personnage important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement, est apparu Judas le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à sa suite, mais il fut tué lui aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de cela. Laissez-les aller, car si leurs intentions et leurs activités viennent des hommes, elles disparaîtront. Et oui, si mes activités, elles viennent des êtres humains, elles vont disparaître à un moment donné. Je vais finir par disparaître. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ah, peut-être ce soir qu'il y a des églises et je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur ni de la persécution parce que je l'ai déjà vécu. Je n'ai peur ni de la lapidation. Je ne l'ai pas encore vécu, mais je n'ai point peur parce que je suis guerrier et soldat de Jésus-Christ. Et face à l'appel que j'ai reçu, je n'ai point peur. Je n'ai peur de personne. Peut-être qu'il y a ce soir des églises ou même des frères ou des sœurs que j'ai croisés dans leur chemin qui veulent venir me poignarder comme ça dans le dos ou même de face au niveau du cœur ou même me cracher dessus. Viens, vas-y, essaye. Viens, essaye de combattre Dieu. Tu verras ce qui t'arrivera. Tu sais ce qui arrive à celui ou à celle qui touche à loin de l'Éternel? À celui qui porte la vérité en lui? Ah, je vais te raconter une histoire ce soir. J'avais un voisin qui me dérangeait toutes les nuits. Je ne dormais pas. C'était il y a longtemps, pendant les premières années de ma conversion. En 2000, 2 ans après ma conversion. Combien de fois je l'ai supplié d'arrêter de faire du bruit? Combien de fois? Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le Seigneur, à un moment donné, il lui a fait tuer sa propre sœur. Il a pris sa propre sœur, le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il manigançait dans les ténèbres, il n'est pas chrétien, il manigançait dans les ténèbres de vouloir me faire du mal. Il préparait un coup contre moi. Ah, tu ne toucheras point à loin de l'Éternel. Tu ne t'attaqueras point au prophète de Dieu. Voilà ce qui est arrivé à cette personne. J'en profite pour dire bonsoir à vous tous et toutes mes frères et mes sœurs qui venez de me rejoindre peut-être. Et je lis vos commentaires. Bonsoir Agnès. Bonsoir Fabiana. Soyez bénis. Que le Seigneur vraiment vous touche au travers de ce message ce soir. Que le Seigneur vraiment vous donne l'audace d'être des canaux de vérité. Que vos bouches soient des bouches qui sont porteuses de vérité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas que à certains moments de votre vie. Amen. Ne prenez pas le risque, a dit Gamaliel, de combattre Dieu. Parce que si ces hommes-là, ces envoyés, ces apôtres, viennent de Dieu, eh bien, leur œuvre, elle subsistera. Mais si ils ont été envoyés des hommes et fabriqués par des hommes, leur œuvre, elle périra. Pourquoi j'évoque ce passage des Actes des Apôtres ce soir? Bien, parce que ce soir, j'ai envie de passer en mode Actes des Apôtres. Parce que certains disent, comme les membres du conseil qui voulurent faire mourir les apôtres, ils leur ont dit,
Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme. Et qu'avez-vous fait? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. Eh bien oui, celui qui a les mains tachées de sang et qui n'est pas dénoncé, c'est pas normal. Dans l'église, s'il y a le principal ou un ancien ou quelqu'un des membres du cercle intime ou même un membre de l'église, quel qu'il soit, s'il a commis des crimes et qu'on ne le dénonce pas et qu'on met un voile sur ce qu'il a commis, est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont complices de cette affaire-là sont enfants du diable ou pas? Mais bien sûr que oui, ils sont enfants du diable. Bien sûr que oui, que tu es enfant du diable si tu ne mets pas à la lumière les choses. Bien sûr que oui, que si tu ne vas pas aller te réconcilier avec ton prochain, là où Jésus-Christ te dit que si tu te souviens en chemin, avant d'aller déposer ton offrande dans le temple, va d'abord te réconcilier avec celui-là qui a quelque chose contre toi, puis après, viens déposer ton offrande. Et c'est à ce moment-là que ton offrande sera agréable à Dieu. Si on ne dénonce pas, eh bien, on est des enfants du diable. On travaille dans l'obscurité. Peut-on à ce moment-là prétendre être disciple du Seigneur, enfant du Seigneur? Peut-on prétendre aller entrer à la salle des noces à la fin des temps? Non! Non et non et non! Où est ta ceinture de la vérité? Est-ce que tu portes la vérité en toi, mon frère, ma sœur? Ou bien, est-ce que cette langue-là est comme une langue de serpent qui est pleine de venin, pleine d'aspic, qui vient d'injecter du venin dans la cachette, dans les coulisses? Hé, hey, t'as entendu ce qu'il a fait? Regarde, ah non, ça c'est pas bien. Non, va parler directement avec lui si tu es un homme, si tu es une femme. Mais malheureusement, jusque-là, tu n'es ni un homme ni une femme. Je me permets de vous parler comme ça. Oui, en prêchant la vérité, je mets en avant la lumière et je condamne les actes et les crimes commis dans le royaume de Dieu par tout homme et par toute femme injuste, inique, qui use de méchanceté et de malice. Parce que la vérité doit être élevée et le mensonge abaissé et écrasé. La lumière de Christ doit resplendir, la lumière de la vérité. Elle doit être mise sur le chandelier dans les églises. Et l'obscurité doit être chassée, le mensonge doit être chassé dans l'abîme avec tous ceux qui veulent continuer à aimer travailler dans l'obscur et dans les coulisses, en étant hypocrites et en parlant dans les coulisses sur le dos de leur prochain. Amen. Parole de révélation ce soir. Il y a certaines églises qui s'opposent aux paroles de la vérité et des enseignements que moi je diffuse sur les réseaux, et qui reprennent injustement les membres de leurs églises en disant à leurs membres, nous vous interdisons d'utiliser les enseignements d'Augustin, nous vous interdisons d'enseigner au nom de cet homme, pour X raisons, parce que nous ne croyons pas qu'il vient de Dieu, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il a un démon en lui, parce que c'est un homme diabolique, et j'en passe des autres paroles et préjugés et jugements que l'on a déjà portés, parce que c'est un bouc. Ma soeur, mon frère, si tu as diffusé la vérité des paroles que tu as reçues au travers des divers enseignements que j'ai diffusés sur les réseaux sociaux, et si suite à cela on t'a repris sévèrement, je te parle à toi, brebis authentique du Seigneur, qui veut mettre en avant la vérité du Seigneur. Toi qui l'as reçu comme un enfant, toi qui t'es approché du Maître comme un enfant, veux obéir à son Père et à son Maître. Si l'on t'a repris sévèrement après avoir dit des vérités, vérités que j'ai dites au travers de mes enseignements, c'est que tu as eu affaire aux mêmes membres du conseil qui s'opposèrent à l'enseignement des apôtres. Faut pas aller
à Tataouine pour pouvoir comprendre ces choses. Car les apôtres de leur époque détenaient la véritable doctrine. Les synagogues, non. Est-ce que les temps présents ont changé? Est-ce que le peuple de Dieu du temps présent, il est meilleur que le peuple de Dieu des synagogues d'antan et des apôtres? Non. Les églises de nos jours ont-elles une bonne doctrine de nos jours? Oh que non, surtout pas. Même celles les plus connues, je me permets de parler ainsi, même celles qui ont un plus grand nombre d'adeptes, ça ne veut rien dire. Une grande église ne veut rien dire. Ce n'est pas un indicateur. On peut avoir en face de nous une grande église avec 500 personnes, 1000, 10 000 personnes, mais dans laquelle il y a un Saül qui a perdu la royauté sans qu'il ne s'en rende compte. On peut avoir un Saül qui a perdu le nord, qui a perdu plutôt la direction qui mène vers Jérusalem, la ville du grand roi. Ah oui, il y a des églises comme ça de nos jours, qui sont nombreuses. Alors là, j'en parle même pas des églises dans lesquelles il y a des femmes qui enseignent. Je vais pas citer de nom. Et oui, le Seigneur continue d'envoyer des apôtres, des messagers extérieurs, mais ces églises s'y opposent, car elles ne veulent pas recevoir un prophète dans leur maison, et donc la récompense d'un prophète. Elles ne veulent pas recevoir, tout simplement parce que tous les authentiques prophètes, généralement, ils ne sont pas reconnus par la haute autorité du Vatican. Je me permets de parler ainsi. On n'a pas de haute autorité du Vatican ici en France. Je parle des hautes autorités des dénominations des différentes églises qu'il y a ici en France. Je ne vais pas citer de nom, mais malheureusement, elles fonctionnent ainsi. Il faut que quelqu'un soit vraiment authentifié par la haute autorité du Conseil supérieur interministériel de je ne sais qui, de je ne sais où. Et cela, comment qu'ils ont été établis? Va savoir. Par qui? Va savoir. Qui fut leur mentor? Va savoir. Et ceux qui sont au-dessus d'eux, qui les a établis à un moment donné? Va savoir. Comment? Par quel procédé? Va savoir. Et si par exemple, je commence à monter ma propre église physique, je parle d'une église physique, et que je commence à attirer des foules, à avoir une église de 500, puis après 2000, puis après 2000, 3000, et que tout le monde ici en France ne me reconnaît pas. Enfin, je parle de ceux qui sont dans les plus hautes instances et autorités religieuses, des religieux des temps présents, de toutes les dénominations des églises qui puissent exister en France. Admettons que je devienne pasteur à un moment donné d'une grande église, je me pose la question. Je me pose vraiment cette question. Qu'est-ce que les différents pasteurs de toutes ces églises-là, qu'elles soient grandes et petites, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir dire sur moi? Je me pose vraiment la question. Mais le plus important n'est pas là. Parce que le plus important, c'est de faire des enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu. Il y a eu quelqu'un du nom de Jean, il a été envoyé par Dieu, il n'était pas la lumière, mais Dieu a mis cette lumière véritable en lui, afin que tous ceux qui crussent par lui, leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas d'avoir une grande église. Et une grande église n'est pas un indicateur pour dire que telle église a une bonne doctrine. Ah que non. Moi, quand je regarde comme ça des lives sur le net, quand il s'agit de grandes églises, je demande toujours au Seigneur, hey, « Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce serviteur-là. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière lui ?» Et là, le Seigneur, il me montre des choses. Tantôt, il me montre un serpent qui sort du ventre de l'homme. Tantôt, il me montre de la bave, cette substance blanche qui sort et qui est venimeuse, qui sort de la bouche de tel homme. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms des églises, bien sûr. Mais le Seigneur me montre ça.
Tu te dois, mon frère, ma sœur, d'avoir du discernement. Tu te dois d'user de ta ceinture de la vérité. Quand le Seigneur te montre des choses, des vérités, tu te dois de les dire comme les apôtres. Être droit comme ça, c'est que comme ça que tu peux plaire au Seigneur. Ces églises-là, donc, elles ne veulent pas recevoir Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ lui-même envoie ses messagers, moi compris, puisque combien de fois j'ai été chassé de plusieurs églises. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, « Oh oui, Augustin, oh, tu déconnes. Le fait que tu sois chassé de beaucoup d'églises, ça veut dire que le problème, c'est toi. » Alléluia, tu as tout compris, mon frère. Bravo, tu as tout compris, ma sœur. Bravo, mais c'est génial, mais c'est top. Malheureusement, tu es passé à côté de la plaque. Parce que moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais quelle est la vérité que le Seigneur a mise sur moi. Cela m'est arrivé, j'ai été chassé par les différentes églises parce que je détiens cette vérité-là. J'ai arboré, j'ai mis la ceinture de la vérité. Ou plutôt, Jésus-Christ a mis la ceinture de la vérité en moi et je l'ai gardée, je l'ai faite fructifier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me devais de dire la vérité, eh bien, je le dis. Non pas moi, mais Christ qui habite en moi a trouvé bon de faire habiter en moi la vérité absolue. Et je dis Amen. Je le dis comme ça pour exciter la jalousie de ceux qui se disent enseignants, docteurs, docteurs de la loi, apôtres, et qui ne le sont pas en réalité. Et toi qui m'écoutes ce soir, gare à ce que je te confonde par la parole de la vérité. Si un jour je te rencontre en chemin et que tu te mettes à me poser des questions pour m'éprouver, comme les pharisiens éprouvèrent Jésus, tu te mettrais certainement en position d'échec et mat. Et tu ne pourrais pas m'avoir par ta doctrine. Pourquoi ? Parce que, 1. Je sais en qui j'ai cru. 2. Je sais ce que Dieu a mis en moi comme sagesse, intelligence et connaissance. Et 3. Un conseil des anciens d'une église m'a déjà dit cette phrase. Et cette vérité-là, elle est sortie puisqu'ils l'ont remarqué. C'est indéniable puisqu'ils l'ont vu. Il n'y a pas qu'une seule personne qui a vu. C'est tout le conseil de l'église qui a vu ça. On te voit comme un grand buteur de football, un grand footballeur qui marque des buts, qui joue tout seul sur le terrain et qui a des qualités supérieures aux autres joueurs. Et ce conseil des anciens m'ont dit, mais il va falloir, Augustin, que tu apprennes à travailler en équipe et que tu te mettes en coordination avec nous. Mais bon, les choses se sont passées différemment dans cette église-là, pas à cause de cette remarque qui m'a été faite. Voilà ce que, une des choses, les anciens de cette église-là, le conseil des anciens, ont vu en moi. C'est pas moi qui ai témoigné de moi-même sur ce que je suis. C'est les autres qui ont vu ça en moi. Et je peux être d'accord sur le principe et accepter de travailler en équipe. Mais quand je sais que j'ai reçu l'appel que reçut Joseph, le fils de Jacob, dois-je me soumettre aux hommes? Vous allez comprendre pourquoi je parle comme ça. J'en profite pour dire bonsoir à Christine qui vient nous rejoindre. Sois bénie ma sœur Christine. Que le Seigneur te délivre de toutes tes angoisses, de toutes tes frayeurs, de tout ce qui te retient captive. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois rire hein, là où tu es actuellement. Amen, amen. Sois béni et fortifié par ces paroles. Ne t'inquiète pas, le Seigneur a déjà prévu une issue à ta situation. Et je dirais, ces mêmes hommes, ce même conseil des anciens qui m'ont jeté des fleurs quelques mois plus tard, ont affirmé ceci. Oh Augustin, nous ne voyons aucun don prophétique en toi. Pourtant, j'ai prophétisé combien de fois? Là où auparavant, il disait,
Augustin, c'est bien, tu as un don prophétique excellent, tu as une hypersensibilité pour l'Esprit du Seigneur, nous t'encourageons à continuer. Puis plus tard, oh, nous ne voyons aucun don prophétique en toi. Nous ne voyons aucun don dans ta vie que le Seigneur ait pu te remettre. Et c'est ce même conseil d'église qui m'a interdit de parler aux femmes de leur église, de parler à toutes les femmes. Pourquoi ? Parce que je sortais ce moment-là avec une femme de cette église même, femme qui est mariée, mais le Seigneur, il sait pourquoi. Lui, il m'a mis sur le chemin de cette femme mariée. Le conseil des anciens, évidemment, ils ont soupçonné une relation extra-conjugale entre cette femme mariée et moi, ou une tentative, au point qu'ils m'ont interdit de parler à toutes les femmes de l'église. Ils ont simplement, au fait, voulu me chasser de leur église. Ils m'ont interdit aussi de parler à n'importe quel membre de l'église, homme ou femme, que ce soit pour exhorter, édifier ou donner quelques paroles prophétiques. Choquant, n'est-ce pas? Ça vient des anciens d'une église. Très choquant. Ils avaient tout simplement, je leur dis, derrière ça, l'intention de me chasser de leur assemblée. Mais mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, est-il venu pour mettre dehors celui qui vient à lui? Quand les religieux de l'époque, de son époque, ont venu présenter devant sa face la femme adultère, la femme de mauvaise vie, ils l'ont prise en flagrant délit. Ok, vous l'avez prise en flagrant délit. D'accord. Ok, et si c'était le cas avec Augustin, je pousse le bouchon plus loin. Ok, si vous m'aviez pris en flagrant délit avec une femme mariée, admettons, soit, supposons, et que vous m'ameniez devant le Sanhédrin, ce conseil de 70 juges, ou devant le Christ, qu'est-ce qui va se passer? Qui es-tu pour me condamner? Qui es-tu pour me chasser de ton église? Qui es-tu pour m'interdire de parler aux femmes dans ton église? Qui es-tu pour user d'autorité et de condamnation pour condamner celui que Jésus-Christ a libéré? Tu as taché ma tunique, mais aussi tu as taché la tunique de cette femme-là avec qui je marchais. Voilà ce que tu as fait, homme stupide et insensé, toi avec tout le conseil de tes anciens. Et je te parle ainsi. Énerve-toi si tu as envie de t'énerver, parce que je dis la vérité. Il n'y a que la vérité qui blesse. Vous serez tous jugés, vous qui chassez les brebis du Seigneur, de vos maisons. Parce que ces maisons-là ne vous appartiennent pas. Elles vous ont été louées par Christ. Oui, le jugement de Jésus-Christ de Nazareth tombera sur vous. Il vous plongera dans le feu de l'épreuve. Et vous serez écrasés et démolis à cause de vos méchancetés. À moins que vous ne vous repentiez pas. Gens hypocrites, race de vipères, gens méchants, comme avait l'habitude de parler Jean le Baptiste aux pharisiens quand ils vinrent l'aborder. Comme avait pour habitude de parler Jésus-Christ ouvertement aux pharisiens et aux religieux de son époque. Race incrédule et perverse, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir le jour de la venue du Seigneur? Ce jour-là, vous ne pourrez pas tenir debout. Oui, je suis le défenseur des brebis perdues d'Israël. Je suis le compatriote de tous les individus opprimés, comme le disait le chanteur célèbre de ma contrée natale, Matou Blounès. Et vous, vous recevrez le salaire de vos agissements. Parce que Jésus, quand il viendra, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je peux accepter de travailler en équipe avec une église. Ce n'est pas un problème. Mais si j'ai reçu l'appel de Joseph, qu'est-ce que l'Éternel a donné comme don, comme autorité, comme position dans son royaume à celui-là qu'on appelle Joseph? Par privilège à l'égard de ses 11 frères. Livre de la Création, chapitre 37, versets 3 à 10. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Ah oui, tu vas être jaloux ce soir, toi qui m'écoutes. Parce que dans le royaume de Dieu,
Il y a toujours un que le Père aime le plus. Il y a toujours un que Jésus-Christ aime le plus. Tu le sais très bien. Mais ça, tu ne peux rien y faire. Parce que celui-là que Dieu aime le plus, il l'a décidé de sa propre autorité. Et tu ne peux rien y faire. Tu peux être jaloux au point le plus haut. Ta jalousie peut atteindre le sommet de l'Everest. Mais tu ne pourras rien faire contre cette personne-là. Tu peux la tuer, tu peux la chasser, la rejeter, etc. Mais tu ne peux pas faire de rien de plus. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe, une belle tunique, de beaux habits royaux. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils se vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils parlaient avec Joseph, c'était avec une haine, avec un acharnement, avec une hostilité. Nous t'en voulons parce que tu es différent de nous. Nous t'en voulons parce que nous te jalousons. Nous t'en voulons parce que il y a quelque chose qui nous dérange en toi. Nous te voulons parce que nous voulons te tuer. Nous voulons mettre fin à tes histoires. Mais la vérité, tu ne peux pas la tuer, toi qui es pasteur. La vérité, tu ne peux pas la tuer, toi qui es ancien. Celui qui est véritable, tu ne peux pas le mettre à mort. Et même si tu viens à le crucifier, la vérité, elle ressortira, il ressuscitera. Et toutes ses œuvres, elles se mettront à la lumière. Tu ne peux rien contre celui qui est juste. Tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Ah, la jalousie, cette jalousie-là qui, quand elle entre dans le cœur d'un être humain, je l'ai connue depuis que mes yeux se sont ouverts sur ce monde. Pendant ma petite enfance, pendant mon enfance, pendant mon adolescence et mon âge adulte aussi, j'ai été bombardé par des esprits de jalousie extrêmement. Parce que ceux qui voyaient l'intelligence qui était là-dedans, pas la mienne, mais l'intelligence que Dieu m'a donnée, ceux qui voyaient la sagesse qui est là-dedans, pas la mienne, mais celle que mon Créateur m'a donnée, que le Dieu de mes pères m'a donnée, ceux qui voyaient cela ne pouvaient pas croire leurs yeux et ne pouvaient surtout pas s'empêcher de me faire du mal. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon rêve, leur avait dit. Nous étions tous à la maison, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa, resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. Est-ce que tu prétendais devenir notre roi et dominer sur nous ? Lui demandèrent ses frères, et ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Ah, si je viens te dire ce soir, toi qui m'écoutes, que j'ai reçu l'appel que reçut Joseph, et que plus tard dans le temps va passer, et viendra le temps où il t'arrivera, toi qui m'as fait du mal, que tu reviendras de ta... parce que tu seras poussé par le Seigneur, bien évidemment. Tu reviendras dans mon chemin. Tu me demanderas le pardon. Comme les 11 frères sont venus dans et sont arrivés dans le palais royal en Égypte et se sont agenouillés la tête contre terre devant leurs frères qui ne leur reconnurent plus. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé. » Il dit, « Le soleil, la lune et onze étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda, le père, en lui disant, « Mais qu'as-tu rêvé là? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?»
Ah, voilà l'appel, un appel particulier, un appel spécial, un appel que nous n'avons pas l'habitude de voir, un appel hors du commun, je peux le dire comme ça, de cette manière. Je reviens sur mon sujet. Il faut que tu portes, mon frère, ma sœur, la ceinture de la vérité. Ce n'est que comme ça que tu peux être agréable à Jésus. Ce n'est que comme ça que tu peux être digne de Jésus. Si à cause de ce qui s'est passé dans ton entourage, tu essaies de cacher, de camoufler, de dissimuler certaines vérités, tu ne peux pas être digne de Jésus. Et la réponse que j'ai à donner ce soir à ces membres du conseil d'église est la suivante. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je le dis aussi à vous tous, mes frères et mes sœurs. Si j'enseigne différemment, tel que personne ne l'a jamais entendu jusque-là, et si le Dieu de mes pères m'en a donné l'autorité et le pouvoir de le faire, qui m'en empêchera? Paul, comment qu'il commence ses lettres quand il les écrit? Paul, serviteur de Jésus-Christ, non pas par les hommes, non pas par la chair, mais par l'appel qu'il a reçu de la part du Père. Paul, il est venu non de la part des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont attesté que oui, Paul, nous attestant qu'il est véritable apôtre. Il n'est pas venu non plus de ses propres désirs charnels pour servir le Seigneur. Non. Il a reçu cette révélation qui descend directement du ciel, du trône de Dieu. Il a puisé ça de la source, de la véritable source, qui est Jésus-Christ. Qu'a dit le Seigneur à la femme samaritaine? Si tu crois au don de Dieu, celui qui se présente devant toi et qui te demande, qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé afin qu'il te donne de l'eau à boire. Et cette eau-là qu'il te donne va faire jaillir en toi une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Amen. Vous m'avez empêché dans vos églises, comme les synagogues et les conseils des soi-disant anciens ont empêché les véritables apôtres d'enseigner selon l'autorité qu'ils ont reçue du Seigneur. Mais à l'extérieur de vos églises, c'est-à-dire dehors et ici sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas empêcher l'avancement de la vérité du Seigneur. Ça, contre ça, vous ne pouvez rien y faire parce qu'avec les technologies actuelles, quand le Seigneur appelle quelqu'un en qui il a trouvé bon de faire régner sa vérité, vous ne pouvez pas empêcher que cette vérité-là éclate au grand jour. Et c'est déjà le cas, c'est en train de se faire. Tous ceux qui oseront s'y opposer s'opposent à Dieu et finiront par brûler par le feu de la vérité. Ils finiront tous par disparaître comme de la chaume et brûler par celui qui passe au creuset dans un feu brûlant chacun. Amen. Je vous parle ce soir comme a parlé Gamaliel au conseil des anciens, en vous disant ceci à vous qui vous opposez depuis le début à mon ministère, à mes paroles, paroles prophétiques et autres. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez plus de ceci et laissez-les aller, car si leurs intentions et leur activité viennent des hommes, elles disparaîtront, mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de combattre l'Éternel lui-même. Amen. Et j'ajoute, Jésus-Christ vous repose cette question ce soir, qui vous mettra toujours dans une position d'échec et mat. Échec et mat qui veut dire échec met. C'est un jeu qui appartenait aux Mèdes. C'est les Mèdes et les Mèdes et les Perses. Oui, c'est les Mèdes. C'est les Mèdes qui ont créé ce jeu, les échecs et mat.
Et ce jeu-là, il a été repris par les Ismaélites, les Arabes. Et les Arabes, quand ils font le coup fatal, c'est-à-dire qu'ils avancent, ils s'avancent pour tuer le roi ou la reine, je me souviens plus, et qui disent échec et mat, eh bien, ils prononcent échec met. Cheikh qui veut dire le vieux en arabe, et met qui veut dire mort. Ça veut dire mort au vieux, mort au roi. Et les Anglais ont repris le jeu, les Occidentaux en général, les Anglais qui ont repris le jeu des échecs, de Cheikh met, eh bien, ils l'ont baptisé pour les Anglais checkmate. Ils ont pris exactement la même prononciation en arabe. Et ils l'ont baptisé checkmate. Checkmate. Voilà. Alors ce soir, le Seigneur Jésus te repose cette question qui te mettra certainement dans une position d'échec et mat. Vous les religieux du temps présent, vous qui avez du mal à être convaincus, dites-moi, le baptême de Jean vient-il des hommes ou bien est-ce qu'il vient de Dieu? Jean le Baptiste, Augustin, a-t-il été fabriqué et enseigné par des hommes et qu'il est venu par la ruse? Est-ce que ce sont des hommes qui l'ont envoyé en lui inculquant une doctrine humaine? Ou bien est-ce que c'est le diable qui l'a envoyé tout simplement? Ou bien vient-il vraiment de l'Éternel? Est-il vraiment prophète authentique et serviteur authentique de Dieu? Oui, vous dis-je. Vous êtes allé voir un prophète et bien plus qu'un prophète, a dit Jésus-Christ aux pharisiens. Car parmi les fils des hommes, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. C'est le plus petit dans le royaume de Dieu, en humilité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de semblable à lui. Oh, je me jette des fleurs. Non, c'est Dieu qui m'a donné cette place. Je ne fais pas l'orgueilleux. Alors, il faut que tu ouvres tes yeux, mon frère, ma soeur, ce soir. Chacun de nous, il a reçu un appel. Et je parle non pour exciter la jalousie des hommes spirituels, des pasteurs, des docteurs de la loi, etc., 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 mais pour vous ouvrir les yeux, pour vous mettre du collyre sur vos yeux ce soir. Allez, va à la salle de bain, va te débarbouiller, mets-toi de l'eau sur ta face et ouvre tes yeux. Je parle de tes yeux spirituels, bien sûr. Je ne te demande pas d'aller dans ta salle de bain. Ma sœur, mon frère, toi, brebis authentique du Seigneur Jésus-Christ, choisi par Dieu et rejeté par les hommes, si tu sais que Jésus-Christ a mis autour de ta taille la ceinture de la vérité et qu'à cause de cette ceinture, tu as été lapidé, chassé, rejeté, si même à cause des paroles et des enseignements vrais que j'ai diffusés jusque-là et que tu as entendu ailleurs aussi, s'ils sont venus te fermer la bouche ou même te rejeter, ce n'est pas grave. Continue à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et aux femmes. Continue à dénoncer le mensonge. Continue à dénoncer la fausse doctrine et à proclamer la vérité. Oui, il y a un prix à payer. Bien sûr qu'il y a un prix à payer. Mais je préfère obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes et aux femmes. Ma soeur, mon frère, qui est-ce qu'on doit mettre à mort? Le menteur ou bien celui qui dit la vérité? Malheureusement, les temps dans lesquels nous vivons, c'est celui qui dit la vérité qu'on met à mort. Le menteur, oh, on vient toujours le couvrir avec son voile, le couvrir dans son cercle intime pour que les œuvres ne se voient pas, parce qu'ils sont fils du diable. Fils du mensonge, parce que lui, il a été meurtrier depuis le commencement. Parole de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16. Écoute, brebis authentique du Seigneur. Écoute, réveille-toi, ne dors pas. Ne dors pas ce soir, il faut que tu te réveilles, même s'il est 22h11. Tu n'as pas le droit de dormir. Tu as le droit d'écouter la parole de Jésus-Christ, la parole vivante qui vient de t'apporter la lumière, la force et le salut pour ton âme. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents
et innocents comme des colombes. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux. » Là, le Seigneur, il parle du peuple d'Israël. Il ne parle pas des gens du dehors. Là, quand tu lis, mon frère, ma sœur, ce passage-là, Jésus-Christ ne te parle pas des tribunaux administratifs ou judiciaires. Il ne parle pas de cela. Il parle des synagogues, des églises. Parce que c'est contre ces fausses doctrines que le Seigneur va t'envoyer. C'est contre les faux enseignants. C'est contre les menteurs. C'est contre ceux qui ne veulent pas changer de comportement pour plaire à Dieu. C'est cela envers qui le Seigneur t'envoie, mon frère, ma sœur. C'est pour redresser ceux qui sont courbés dans le royaume de Dieu, pas à l'extérieur. Prends garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. J'affirme ce que je suis en train d'expliquer. On vous fera comparaître devant des gouverneurs, devant le cercle des anciens, devant le cercle des pasteurs, des responsables, etc., etc., et des rois. Les rois, c'est rois, bibliquement parlant, le mot roi veut dire responsable, ou un roi sur Israël, ça veut dire quelqu'un qui a reçu l'onction dans le royaume de Dieu, mais qui ne veut pas dire forcément que c'est quelqu'un qui obéit totalement à Dieu. On vous fera comparaître devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs. Lorsqu'on vous conduira devant le tribunal, ne vous inquiétez pas de ce que vous vous aurez à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer vous seront données à ce moment-là. Elles ne viendront pas de vous, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Des frères livreront leurs propres frères dans la même église pour qu'on les mette à mort. Et des pères agiront de même avec leurs enfants dans les mêmes églises. Des enfants aussi se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Si je porte la vérité que je te la transmets, s'ils m'ont déjà haï, mon frère, ma sœur, ils vont te haïr toi aussi. Je ne t'apprends rien du tout. Ils vont te haïr. Il va falloir que tu acceptes cela. Et il y a un prix à payer. Je préfère mourir pour être agréable à Dieu. Je préfère être lapidé. Je préfère qu'on me crache dessus, qu'on me chasse de leurs églises, parce que je n'en ai rien à perdre. Tout ce que j'ai à gagner, c'est d'avoir dit la vérité. Et cette vérité-là, si tu l'as dit, toi, à ton tour, alors tu seras à ce moment-là agréable à l'Éternel. Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que celui qui continuera à tenir, à faire vivre cette vérité jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous n'aurez pas encore fini de parcourir toutes les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Aucun élève n'est supérieur à son maître. Aucun serviteur n'est supérieur à son patron. Il suffit que l'élève devienne comme son maître et que le serviteur devienne comme son patron. S'ils ont appelé le chef de famille Belzébul, à combien plus forte raison insultera-t-on les membres de sa famille? Et oui, mon frère, ma sœur, si je te transmets la vérité que le Seigneur a mis dans mon cœur, s'ils m'ont traité comme ça, je l'ai déjà dit, ils m'ont traité de démon, ils m'ont traité de bouc, ils m'ont traité, j'en passe, j'ai pas envie d'étaler toute la liste des mots avec lesquels ils m'ont traité. Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on vous chuchote à l'oreille, à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu éternel, le Dieu de mes pères, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme en entier dans l'enfer. Faut-il donc confesser cette vérité qu'est Jésus-Christ qui habite en moi, qui habite en toi? Faut-il la mettre en avant, mon frère, ma sœur? Eh oui, bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, ça veut dire qu'il parle des choses vraies, qu'il dit vrai de sa bouche,
je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à moi, qu'il m'appartient. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, ça veut dire quoi ne pas connaître Jésus? Ça veut dire dire un mensonge. Qu'est-ce que Pierre a fait la veille de la crucifixion de Jésus, la dernière nuit? Il l'a renié trois fois. Et renier, ça veut dire quoi? Il a dit quoi? Il a dit, ah, celui-là, je ne le connais pas, non, je ne suis pas son disciple. Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, Pierre, l'apôtre, Simon-Pierre? Il a dit des mensonges, il a menti. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux, que je ne le connais pas. Mais heureusement que Pierre, Jésus-Christ, il a prié pour lui, afin que sa foi ne s'arrête pas, parce qu'il a reçu cet appel. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, si comme Pierre, tu as renié le Christ, si comme Pierre, tu as dit des mensonges à mon égard, je me prends comme exemple, si tu as dit des mensonges jusque-là à l'égard de ton prochain, que ce soit un frère ou une sœur, si à ce jour tu as caché une vérité et que tu n'as pas voulu qu'elle soit révélée, alors aie l'audace, si tu es un homme, si tu es une femme, sois un enfant de lumière et non pas un enfant de Satan. Parce que ce soir, si tu continues et si tu décides de continuer à te taire et à camoufler l'affaire, à étouffer l'affaire, eh bien je te déclare enfant du diable, officiellement, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, devant ses anges, devant les hommes et devant les femmes qui nous écoutent ce soir. Si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, si quelqu'un affirme publiquement et dit des mensonges à mon égard, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux que je ne le connais pas. Il est vrai qu'on l'appelle le prince de paix. Mais quand ce prince de paix voit qu'il y a dans une église des gens qui sont tordus et qu'il voit que chacun d'eux tire sa propre ficelle ou sa propre corde, eh bien Jésus-Christ à ce moment-là, il ne vient pas apporter la paix, mais il vient apporter l'épée. C'est pour cette raison que l'on voit beaucoup de tumultes, de disputes, de divisions dans les églises de nos jours, depuis que l'église est église, depuis le premier siècle d'ailleurs. Tout simplement parce que les églises en question ne possèdent pas la véritable doctrine. Et qu'à chaque fois que le maître envoie des apôtres, des envoyés, des messagers dans ces églises-là, eh bien, il le refuse et les rejette. Comme les synagogues de Jérusalem refusèrent les véritables apôtres de leur époque, qui portèrent en eux la véritable vérité, pléonasme, mais pléonasme utile. Ils portèrent le véritable enseignement et la véritable ceinture de vérité. Amen. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat, l'épée, est safe, comme le disent les Arabes. Je suis venu séparer l'homme de son père. Ça parle aussi bien de l'homme d'une église avec son fils, son père biologique, qui officie dans la même église. Ça parle aussi de l'homme de l'église avec son père spirituel dans la même église, même si elle appartient à une autre église qui est supérieure en autorité. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Vous croyez que le Seigneur Jésus, mes frères et mes sœurs, vous croyez qu'il parle là des familles biologiques? Vous croyez qu'il parlait, que Jésus parlait des familles nucléaires? Non. Non, il parle des églises, des synagogues. Il parle de son église. Qu'est-ce qui intéresse Jésus? C'est quoi le message principal de Jésus? De qui parle Jésus? De qui a parlé Jésus depuis le début de son ministère? Il a parlé de son épouse et que de son épouse. C'est tout ce qui l'intéresse. Et son épouse, c'est qui? C'est tous les chrétiens et les chrétiennes
qui sont dignes de lui, dignes de marcher selon sa parole, dignes d'être conformes à sa parole. L'épouse, ce n'est pas l'église un tel qui possède 100 membres. Ce n'est pas l'église un tel du sud qui possède 300 membres. Ce n'est pas l'église du nord qui possède 50 membres. L'église, c'est tout individu qui est digne du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout individu. Parce qu'à la fin des temps, il arrivera là où le Seigneur, quand le jour du jugement, le Judgment Day, quand il arrivera, de ceux qui partageront un lit, je parle des couples, il prendra l'un et pas l'autre. De ceux qui moissonneront dans le champ, l'un sera pris dans la salle des noces et l'autre non. Il parle de qui là? Vous croyez que cela qu'il a évoqué, le Seigneur Jésus dans cette parabole, vous croyez qu'il parlait des gens chrétiens et des non-chrétiens? Non! Ce sont tous des chrétiens. Ce sont tous des gens qui ont accepté le Seigneur. Mais tous n'iront pas dans la salle des noces. Dehors, tous ceux qui commettent l'injustice, les hypocrites, les idolâtres. Il parlait des chrétiens. Il s'adresse à son église, à son épouse. Le Seigneur ne s'est adressé qu'à son épouse depuis la nuit des temps, depuis qu'il est venu sur terre. Rien d'autre. Il ne s'est pas adressé aux gens du monde. Les gens du monde, il annonce sa bonne nouvelle. Venez, venez, acceptez-moi comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, il y a beaucoup de travail à faire. Une fois étant dans le chemin du Christ. Et c'est à ce travail-là que nous avons été appelés pour redresser ceux qui sont courbés. Jésus a continué en disant, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Je te parle à toi. Allez, je vais entrer dans le vif du sujet. Toi qui as ton père, qui est pasteur de l'église dans laquelle tu es. Tu es peut-être même pasteur aussi. Si tu n'aimes pas Christ plus que ton père, ça veut dire que si Christ t'a montré des choses qui ne vont pas dans la vie de ton père qui est pasteur et que tu ne le reprends pas directement, ouvertement, tu ne peux pas être digne de Jésus. Ah oui! Ça peut être aussi ton père spirituel. Si tu as une plus grande estime à son égard et tu caches comme cachait le sacrificateur Eli, les actes de ses enfants, tu subiras le châtiment que l'Éternel a fait subir au sacrificateur Eli. Et il le fait subir à ce jour l'Éternel. Je punirai de génération en génération le péché d'Eli du fait qu'il a laissé ses enfants se mettre à faire des choses bizarres dans le service du Seigneur. Ils s'en sont pris aux femmes qui étaient dédiées au service dans la maison de l'Éternel. Femmes qui étaient censées être sacrées. On ne devait pas y toucher. Bien, les enfants d'Élie, ils ont fait ça. Si donc toi, le Seigneur t'a montré ça et que tu ne le fais pas, tu ne dénonces pas la vérité, tu n'essaies pas de redresser celui qui est courbé, que ce soit ton père biologique ou ton père spirituel, tu ne peux pas être digne de Jésus. Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui se charge, ah oui, si j'essaie aujourd'hui de dire, Seigneur, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de ma fille. J'ai une fille qui étudie, que le Seigneur la bénisse. Mais si je la mets en priorité dans ma vie et que je mette les choses du royaume de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et mon appel en second plan, je ne peux pas être digne de Jésus. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. J'ai perdu ma vie à cause de Jésus. J'ai laissé mon salaire, les 3500 euros nets que je touchais avant 2014. Je m'en fous, je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu le plus important. La joie, la paix, la persévérance, l'amour, la foi. Mon service dans le royaume. C'est ça le plus important. Je me suis chargé de ma croix pour marcher à la suite du Seigneur. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi.
Et être digne de Jésus veut dire être conforme. Le mot digne dans le dictionnaire français veut dire être conforme. Conforme à quoi? Conforme à sa parole. Quiconque vous accueille, quiconque t'accueille, mon frère, ma sœur, m'accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète, si tu m'accueilles en tant que prophète parce que je suis prophète, tu vas recevoir la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle, il recevra la récompense accordée à un fidèle. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, il recevra certainement ma récompense, dit le Seigneur. Amen. J'ai bientôt terminé, ma sœur, mon frère. Il n'y a pas 36 chemins que tu dois suivre pour être digne de Jésus-Christ, pour être conforme à sa parole. Car le mot digne, je le répète, veut dire être conforme. Conforme à quoi? Conforme à celui qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Ma sœur, mon frère, Jésus-Christ t'envoie en attachant sur toi la ceinture de la vérité. Et lorsque les anciens, les maîtres de la loi, ceux qui disent « Oh, nous détenons la parole, nous avons été bien formés, nous sommes habillés en costume, nous portons toujours des chemises, nous enseignons toujours bien, nous sommes au-dessus de tous, il faut que tous nous écoutent. » Les sacrificateurs te jugeront, ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire, ni de la manière de l'exprimer. Les paroles que tu auras prononcées te seront données à ce moment-là même. Ces paroles-là ne viendront pas de toi, mon frère, ma sœur. Et c'est l'Esprit de ton Père qui est dans les cieux, qui parlera en toi. Amen. C'est l'Esprit Saint qui parle en toi à ce moment-là. Lorsqu'ils te livreront, pour qu'on te jette à mort, pour qu'on te mette à mort, pardon, qu'on te chasse de leur assemblée, ne t'inquiète pas, car Jésus-Christ a dit, et des pères agiront ainsi, même avec leurs enfants. Des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort. As-tu compris, mon frère, ma sœur? Nous sommes dans ces temps, mon frère, ma sœur, où un fils se lèvera et sera appelé par Jésus-Christ pour dénoncer la fausse doctrine de son père, qu'il soit son père spirituel ou son père biologique qui officie dans la même église que lui. Et il y a, à l'instant où je parle, des églises, notamment en France, qui sont dans cette configuration. Ah oui, l'Esprit du Seigneur me le montre. Il y a des églises ici en France qui sont dans cette configuration. Et le Seigneur va lever des enfants qui vont mettre la lumière sur la façon d'agir de leur père, biologique et père spirituel. C'est dans les deux sens. Le Seigneur, il commence déjà à balayer, à nettoyer son air. Il commence déjà à arracher les mauvaises racines. Ma soeur, mon frère, tout le monde vous haïra à cause de moi, à cause de mes enseignements, car Christ vit en moi. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Quand on te persécutera dans une église, fuis dans une autre. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu n'auras pas encore fini de parcourir toutes les églises du royaume avant que ne vienne le Fils de l'homme. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas supérieur à ton maître. Si on m'a appelé, moi, le chef de la famille, Belzébul, à combien plus forte raison on t'insultera, toi qui es membre de la famille royale. Ne crains donc aucun homme, aucune femme. Ne fais preuve d'audace. Sois courageux. Courageuse, mon frère, ma sœur, tout ce qui est caché doit être découvert et tout ce qui est secret sera connu, te dit Jésus-Christ. C'est obligé. La vérité et la lumière, il faut qu'elle apparaisse. Ma sœur, mon frère, je rappelle mon sujet. Est-ce que tu portes la véritable ceinture de vérité en toi? Moi, je porte ma ceinture de vérité, la ceinture de vérité que le Seigneur a mise sur moi. Elle est en or pur. Parce que quand je dis, je parle vrai, je ne mens pas.
Ma sœur, mon frère, ce que je dis dans l'obscurité, répète-le à la lumière du jour. Et ce que je te chuchote à l'oreille, dis-le du haut des toits. Ne crains pas celui ou celle qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Il faut plutôt que tu craignes Dieu qui peut faire périr et ton corps et ton âme dans le feu de la géhenne. Est-ce que donc tu vas obéir à Dieu ou bien tu vas continuer à avoir peur et plutôt obéir à l'autorité de l'Église dans laquelle tu es? Faut-il confesser cette vérité? Vérité que Jésus-Christ a fait habiter en moi et en toi aussi, puisque tu entends. La parole de Dieu vient de... La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai aussi, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, que je ne le connais pas. Je le redis, mon frère, ma sœur, et là je termine là-dessus, vraiment. Dans 2 minutes, je termine. Est-ce que tu portes la ceinture de la vérité? Si oui, dis-tu vrai de ta bouche? Est-ce que toutes les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles de vérité? Est-ce que les histoires que tu racontes à ton prochain, à l'égard d'un tel ou d'un tel, est-ce qu'elles sont, tu les racontes de la manière dont elles se sont déroulées ou bien est-ce que tu les déformes? Ou bien est-ce que tu fabriques des histoires de toutes pièces pour te donner raison et couvrir tes fautes? Faire preuve de manipulation, autrement dit. Est-ce que tu fais preuve d'audace, mon frère, ma sœur, en n'ayant pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme? Ce soir, la repentance est de rigueur pour toi, ma sœur, mon frère, si tu as accusé injustement ton prochain, si cette langue-là que tu possèdes a dit beaucoup de mensonges. Ce soir, la repentance est de rigueur. Tu es obligé de passer par la repentance. La langue est comme un feu dévorant, a dit l'apôtre Jacques, qui brûle non seulement un arbre, nous sommes tous des arbres devant le Seigneur, mais qui brûle toute une forêt. Une langue? Ah oui. Quand tu dis un mensonge à mon égard, non seulement tu me brûles puisque tu m'accuses injustement, mais tu brûles toute l'Église envers laquelle tu as raconté une histoire mensongère. Gare à toi, repens-toi ce soir si tu as usé de beaucoup de mensonges, parce que le jour où la vérité se révélera, et elle commence déjà à se révéler depuis un certain temps, tu ne pourras pas tenir debout devant l'Assemblée. Tu ne pourras pas, c'est impossible. Tu vas tomber, tu vas trébucher, tu vas chuter. Et tes œuvres apparaîtront devant tous. Et tu seras tous méprisés. Tu seras méprisé de tous, plutôt. Ce soir, toi qui m'écoutes, si tu as répandu le sang innocent, repens-toi. Et si tu te souviens en chemin que celui-là ou celle-là a quelque chose contre toi, alors avant d'aller déposer ton offrande dans le temple ou la donner à ton prochain que tu aimes, va d'abord te réconcilier verbalement et physiquement, tête à tête. Va te présenter devant celui-là ou celle-là qui a quelque chose contre toi. Puis reviens déposer ton offrande dans le temple qui, à ce moment-là, sera agréable à l'Éternel. Le temps de la repentance est encore là. N'excite pas la colère de l'Éternel contre toi, mon frère, ma sœur, toi la personne concernée. Car si tu dépasses cette limite, une fois la colère de l'Éternel, elle s'est allumée, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Le temps de la repentance est encore là. Mais si l'Éternel, tu entends cette parole et que tu te dises « Non, je n'ai pas envie », quelle que soit la raison que tu donnes, tu vas exciter la colère de l'Éternel contre toi. Une fois que cette colère-là sera excitée, ça peut être ce soir, cette colère-là peut s'exciter demain, c'est l'Éternel qui décide de ce moment-là. Une fois qu'elle est excitée contre toi, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Il décidera d'exercer le châtiment qu'il aura décidé d'exercer contre toi. Ah, c'est ça le Dieu que je connais. Dieu est celui qui ne tient pas le coupable pour un innocent.
c'est écrit dans le livre du Deutéronome, dans les paroles que l'Éternel a adressées à Moïse, son serviteur. L'Éternel ne peut pas tenir un coupable pour un innocent. Même si tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu vas me dire, oui, mais j'ai Jésus-Christ, il intercède auprès de moi, auprès du Père, à mon égard. Il est là, son sang, il a coulé. Non! Non et non et non! Tu as une fausse doctrine si tu penses ainsi. Si tu ne te repens pas, repentez-vous, a dit Jean le Baptiste. Changez de comportement. Ça veut dire que si tu ne te repens pas et que tu ne vas pas aller te réconcilier verbalement et physiquement devant celui-là qui a quelque chose contre toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et Dieu ne te pardonnera pas tes fautes. Et les offrandes que tu feras, elles ne seront pas agréables à l'Éternel. C'est comme si tu avais fait des actions qui ne valent rien du tout, dans le vent. Ah oui, à ce moment-là, Jésus-Christ va te dire, tu n'es pas digne de moi. Hors de moi, toi qui commets l'injustice. Tu n'es pas conforme à ma parole. Je ne te connais pas. Dégage. Out. Get out from here. I don't know who you are. Amen. Amen. Père éternel, oui, la repentance est de rigueur. Alléluia. O katamayara mama mama sakatamayara kandara mama sakatamayara kandara mama. Je vois une sœur. Tu es en train, tu as des personnes autour de toi. Et je te vois, tu as pris une épée. Je te vois commencer à mettre de l'ordre dans ton entourage. Et à dire ça, je coupe, c'est pas bon. Ça, je coupe, je prends l'épée et je coupe, c'est pas bon. Cette racine-là, je la coupe, c'est pas bon. Tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie, dans ton entourage. Et je te vois rebrousser chemin. Ça veut dire... Je te vois revenir sur un chemin, sur le chemin que le Seigneur t'a indiqué d'être. Et le Seigneur te dit ceci, toi la femme concernée, tu fais ce choix qui te vaudra ce soir la bénédiction des bénédictions dans ta vie. Prends cette parole de la part du Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je vois aussi une sœur. Je vois une sœur sur une montgolfière. Je te vois aller prendre tes directions, prendre ton envol. Mais cette montgolfière dans laquelle tu es, c'est une montgolfière qui n'appartient pas au Seigneur. Ça veut dire que tu es parti sur un voyage, sur des résolutions dans ta vie qui ne sont pas celles que le Seigneur veut. Et je vois à un moment donné... Une main qui vient du ciel, qui tient une aiguille et qui vient percer cette montgolfière. Et là, il y a une chute. Mais je vois une main par en dessous qui vient faire amortir la chute
de la cabine de cette montgolfière quand elle arrive à terre pour percuter la terre. Tu te briseras, te dit le Seigneur. Tu te briseras parce que c'est moi qui vais te briser. Tu te briseras parce que c'est moi qui vais te briser. C'est moi qui vais briser le vase que tu es. Tu tomberas de si haut. Tu pleureras à ce moment-là. Tu pleureras amèrement comme tu n'as jamais pleuré de ta vie. Mais cela vaudra le salut de ta vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand tu vivras cela, plus jamais tu ne recommenceras les erreurs que tu as commises dans ton passé. Amen. Je vois un homme qui est comme Élie sur la montagne. Et tu es là, tu es dans la solitude. Mais tu es dans la confiance et tu t'attends au Seigneur. Et le Seigneur te parle, il va te parler. Il va certainement te parler comme il a parlé à Élie, son serviteur. Il te connaît, le Seigneur te connaît, mon frère. Il connaît le zèle que tu as déployé pour son royaume. Il te dit, j'ai vu cela. J'ai vu ta fidélité à mon égard. Tu m'es consacré et tu m'es agréable. Le Seigneur te dit, lève-toi, sors de ta grotte maintenant. Tu vas contempler ma gloire. Je vais faire en sorte à ce que tu continues ton chemin, comme Élie a pris le chemin vers Damas et a rejoint la terre d'Israël par la suite. Le Seigneur va t'amener, te faire atterrir dans une oasis. Je te vois dans une belle oasis verdoyante. Tu vas passer d'un désert, de la caverne, de la solitude, vers une oasis qui est peuplée, là où il y a des animaux, des chameaux qui vont te donner du lait, là où il y a des palmiers, des dattes, et là où il y a du monde autour de toi, là où il y a aussi des lacs, des sources d'eau. Et le Seigneur te fera établir là. C'est sans doute l'image d'une ville ou d'une église dans laquelle le Seigneur va te faire enraciné pour la gloire de son royaume. Ne t'inquiète pas, te dit le Seigneur. C'est moi qui dirige tes pas. C'est moi qui dirige tes pas. C'est moi qui dirige tes pas, te dit le Seigneur. Amen. Je vois une femme qui gémit, une femme qui souffre. Tu as des douleurs au niveau de ton bas-ventre. Tu as des douleurs. Je ne connais pas ta maladie, mais le Seigneur connaît avec exactitude ce que tu ressens. Et le Seigneur te dit ça, ma sœur. Ces douleurs-là, elles cesseront quand tu te mettras dans le chemin dans lequel je t'ai indiqué. Le jour où tu te mettras dans ce chemin-là que je t'ai indiqué, ces douleurs-là, elles cesseront d'être. Prends cette parole ce soir. Prends cette parole prophétique et mets-toi surtout en marche. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire, ma sœur. Marche dans le chemin que le Seigneur t'a indiqué. Amen. 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 Voilà, j'ai terminé. Je vous dis, soyez bénis, mes frères et mes sœurs. Je bénis Dieu pour cette soirée.
Je bénis Dieu de toujours partager sa parole, la parole de la vérité. N'oubliez pas, gardez la ceinture de la vérité autour de votre taille. Ne l'enlevez jamais de jour comme de nuit, même quand vous dormez. Je parle de la ceinture de la vérité spirituelle. Amen. Que de votre bouche sortent que des vérités. Que de votre bouche sortent que de l'eau douce et non de l'eau amère. Pas les deux. Une source ne peut pas faire jaillir et de l'eau douce et de l'eau amère. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Et à très bientôt pour un prochain message.